Christine, vous allez vivre et les téléspectateurs avec vous ce qui sera sûrement la dernière aventure de Fort Boyard aujourd'hui. Il s'agit de monter jusqu'à la cartouche que vous voyez pendre là-bas dans le minimum de temps avant que l'indice ne s'autodétruise pour avoir cet indice. Ça serait formidable pour vos camarades. Hein, vous êtes bien d'accord? Un dernier encouragement. Allez, 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 Christine. Tranquille, tu fais travailler les jambes. Mais descendez un petit peu, on n'est pas là. Tu connais ça, toi, dans les calanques de Cassis, tu travailles ça. Bien les pieds dans les frises. C'est les jambes qui peuvent travailler, pas les bras, d'accord? Pousse sur les jambes, super, c'est parfait. Pousse sur les jambes, nickel. Vous savez qu'il y a une tempête qui se prépare autour des forts, il faudrait peut-être se dépêcher. Tu as le rythme, ah oui. Si vous voulez rentrer à terre. C'est parfait, c'est très bien. Les jambes, tu appuies bien toujours sur les jambes, ok? Que les jambes qui travaillent. Il faut qu'elle mette les pieds. Regarde, elle est plus facile. Quand même plus facile, sous toi. Un peu plus basse, ouais, ça c'est mieux. Voilà. Ah, oui, 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 t'en avais une là où t'étais. Ok, repose-toi, te tourne pas. Repose-toi. Pousse bien sur les jambes, tire pas sur les bras, pousse sur les jambes. Allez, ça continue. Prends la tenue. Vers la droite, ça aurait été mieux, mais... Va plus vers la droite, c'est pas mal. C'est bien. C'est parfait. Quelle grâce. Va plus vers la droite. Non. Elle a peur peut-être. Tu te reposes un peu. Où tu vas? Oh, Christine. Ah ouais, mais... ouais, d'accord, c'est pas bon. C'est pas bête, pardon. C'est pas facile, hein. C'est peut-être moins facile ici, hein. Attention, il faudrait pas qu'elle tombe. Ce sont les têtes. Aïe, 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 elle a pris des risques, là. Elle aurait pu, tu vois, plutôt que de se faire un arrêt à la première corniche, faire un arrêt à la seconde. Ouais, ouais. J'ai l'impression que les prix sont beaucoup plus difficiles de ce côté. Oh, ça va le faire, C'est nickel, pousse bien les jambes, c'est nickel. Allez, allez. Ah, elle a le métier. Fred, peut-être descendre pour partager... Nos émotions. Peut-être, ouais. J'arrive. Reviens. Reviens. Il est fou. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle a vraiment la grande. Elle habite à Marseille, hein, dans les canons. Dans les canons. C'est là où on s'entraîne. Vous avez vu qu'elle prend un nombre de risques incroyable. On est bien. Vous voyez l'indice, en fait, c'est parce qu'elle a repéré que l'indice était un peu vers la gauche. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Mais elle a des prises beaucoup plus difficiles de ce côté-là. Oui, mais en tout cas, c'est pas bête parce qu'elle aurait eu du mal. Dans les cas, elle y arrive. C'est parfait. On a dit, elle est dans les temps. C'est génial. Super, Christine. Tu peux nous la faire, Tout va bien. C'est arrivé, Christine. Allez, génial. Ne tombe pas sur la fin, ça va être niche. Prends ton temps. Non, pas de temps là. Maintenant, il faut qu'elle l'attrape. Tu te rends compte qu'il... Ouais, bravo. Tire. Ok. Mets-le autour de ton bras. Christine, tu... Ok, sans problème. Ouais. Christine, tu peux l'ouvrir et nous le lire pour qu'on gagne du temps. Mais le perds pas dans l'eau, la boule, oui, madame. Attention sur les pieds, deux sur les fesses. Pas les fesses, non. Okay. Pourvu qu'il tombe pas à la flotte. Comment tu dis? Vas-y, raconte. Je dis blanc. Blanc. Neige. Bravo, Christine. Les cours de grimpe, c'est sous la neige. Oui, c'est neige. Blanc, neige. Neige. Boule de gomme. C'est pas bête.